Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Zéro et on se retrouve du coup pour le nouvel épisode de The Legend of Zelda de Wind Waker. Pour l'épisode numéro 14, on est à l'île du poisson les amis. On va tenter de récupérer la dernière perle mais je sais pas, ça m'a l'air un peu bizarre la zone actuellement. Elle me paraît vraiment très très bizarre. Du coup on va cliquer, hop déjà comme ça voilà sur le jeu et on est parti. Terre en vue. Hein. Mais... île du poisson. Ah, y'a un petit problème, non? Y'a pas un petit problème là? Mais l'île. Arrivons-nous trop tard? J'en avais peur, mais je ne pensais pas à ce point. J'avoue, l'esprit de l'eau vivait, paraît-il, dans cette île, mais. Bah, paraît-il dans cette île. Bon, ouais, d'accord. Mais vu l'état de l'île, y vit-il encore? Eh oh, Link! Enfin te voilà. Je t'ai cherché partout. Je crois que je te cherche Jabu. L'esprit de l'eau, c'est bien ça? Je suis désolé, mais je dois te dire que Jabu n'est pas ici. Cet endroit est lugubre, n'est-ce pas? Encore un coup des monstres de la forêt Torres maudite. Mais rassure-toi, celui que tu cherches, Jabu, a eu le temps de s'enfuir avant que l'île ne soit détruite. Elle devine et devine où il a trouvé refuge. Dans l'île où tu es né, l'île de l'aurore. Ah, mais tu auras beau aller sur l'île de l'aurore, tu ne pourras pas rencontrer Jabu. La caverne dans laquelle il se cache est fermée par une lourde stèle, ce qui la rend inaccessible de l'extérieur. Même les pirates n'ont paraît-il pas réussi à y entrer. Désolé Link, je pense que les pirates savaient où tu étais. Je leur ai donc dit... Oula, je sais pas parler moi. Parler de tout ça. Et voilà qu'ils sont partis vers l'île de l'aurore pour pénétrer dans la grotte. Mais ils n'ont pas réussi à y pénétrer et ils se trouvent maintenant sur Mercantile, sans doute en train de préparer un mauvais coup. Si tu veux aller trouver Jabu, tu devrais peut-être aller voir ce qui se trame sur Mercantile. Mais c'est quand même dingue, hein. Il fait beau partout ailleurs, en mer, mais le ciel est noir et menaçant, c'est d'un triste. Valou avait raison. Non, avait sûrement raison quand il m'a dit de venir te raconter tout ça. Il a dit que cette île était maudite. Toi non plus, ne reste pas trop longtemps ici. Je t'ai dit tout ce que je savais sur Jabu. Très intéressant tout ce que dit le Piaf. Hein. Lion rouge, il y a un problème. Le grand Jabu est donc sain et sauf. Cet esprit qui a traversé courageusement les âges aura donc perçu l'imminence de l'attaque de Ganon. À en croire les dires de ce Piaf, les pirates sauraient quelque chose sur la caverne dans laquelle se cache Jabu. Allons donc sur Mercantile et tentons de dévoiler ce qui se passe, d'accord? Nickel Chrome. Attendez, Mercantile c'est par où? C'est par là, très bien, donc c'est par le nord-est. On va s'équiper évidemment, comme d'hab, vous le savez je pense. Non, ça c'est le bon mug. On va s'équiper de la baguette du vent. Non, aversion. Allez, le chant, la mélodie du vent, voilà. Écoutez aussi, j'ai un nouveau micro, hein. J'ai le beurre du main dans ce jeu, donc ça c'est génial. La qualité de son est donc accrue. Enfin, je sais pas en tout cas. Hop là, et les gamins. Les gamins, ah ouais, super. Je peux parler moi. Les amis, c'est parti. Oula, il fait pas beau du tout là. Oula, voilà, oula. On est maudit. Non mais les gars, faut que je fasse ça. On est en direction de notre collectif. Aussi, il faudrait que je m'équipe d'un truc. Hop là, je prends le poisson. Dès que je serai dans... Ah, j'ai pas l'air de poisson. Je vais pas y aller. Non, on va livrer le poisson de la prochaine île. On y arrive. On y arrive doucement mais sûrement les amis. C'est parti. On confirme. Nous voulons le mettre à la
recherche d'aventure. Pardon, excusez-moi, je viens d'imiter le générique de la mystérieuse cité d'or. Oh non. Yes. C'est chaud, hein. Ah, là-bas, le jingle. Le jingle, enfin, une cellule, le jingle. Je pense que ça veut dire. Bon, là-bas, là, il y a le poisson, par contre. Salut, petit gars. Je t'écoute, je suppose que tu veux que je complète ta carte et que je te donne des informations sur les environs. Alors, déplie ta carte. Allez, donne-moi des explications sur Nottingle. Sur cette île habite un type ridicule, Tingle, qui se donne des airs de gamin alors qu'il n'est plus si jeune que ça. Mais je dois t'avouer par contre qu'il s'y connaît vraiment dans le décryptage des cartes. Comme quoi, il ne faut pas se fier aux apparences, hein. Mais par contre, il prend une fortune. Inutile d'y aller si ta bourse est vide. C'est tout pour les infos. Si tu veux que je te répète deux mots encore à manger. Moi, quand j'ai les tombes dans les talons, j'ai la mémoire qui flanche. Adieu. Je sais faire des petites voix au personnage, mais je sais pas si ça les réussit, hein. Bon, allez, c'est parti. Oui, non, alors, c'est pas comme il faisait le prochain épisode. Là, pour les dernières épisodes, c'est tournade normal. Enfin, je sais reconnaître, en fait, les tournades de Cyclos, et ce n'est pas du tout le cas de Cyclos. Il y a certaines îles, en fait, ils ont des tournades comme ça pour protéger, mais c'est pas du vrai. On arrive bientôt sur Mercantile, les amis. Comment est-ce que vous, en fait? Ah, il est juste là. Le pointeur de ma souris. C'est un peu dommage. D'ailleurs, j'ai remarqué dans les épisodes précédents, il y avait mon pointeur de souris qui bougeait jamais. Donc, j'essaie de faire attention maintenant. Voilà, hein. Vous savez tout. Vous connaissez mon secret. Ouais. Bon, bah. C'est la joie et la bonne humeur. On ne peut rien faire. On va. Par contre. Inverser les touches. On va juste. Mince, ça n'a pas voulu. Ah, enfin, voilà. La mélodie du vent. Vraiment, cette mélodie va être très utile. Je vais vous casser les tympans en faire ça. Est-ce que j'ai fait la bonne direction? C'est nickel, c'est une direction de Mercantile que j'ai modifié dedans. Ah, ici j'ai pas. Il y a la fameuse tournade de Cyclos, mais je peux toujours pas y accéder, donc ça ne sert à rien. On l'a vu, hein, la tournade de Cyclos. Malheureusement, pas y accéder, ce qui est bien dommage d'ailleurs, ce qui est vraiment bien dommage. J'aurais bien voulu y accéder, moi. Mais on peut pas. Malheureusement. Au moins. Mercantile droit devant. Oh, il y avait le bateau des pirates là-bas. Ce piaf avait raison. Voici le bateau des pirates, ancré à l'abri des regards. Je ne sais pas ce qu'ils cherchent, mais il doit bien avoir un trésor en vue. Malheureusement, ils ne diront jamais rien. Link, essaie d'apprendre en cachette ce que font les pirates ici. D'accord. Y'a pas de soucis, mon gars. Ah, par contre, on va refaire mon équipe. Voilà, ça c'est l'équipe, ce sera l'équipement de combat. Non, petite aversion. Non, petite aversion. Voilà.
je peux faire ça. Ouh. Ouh, évidemment. Ça. Ouh, ça. C'est pratique. Bon, allez. On peut pas aller sur le bateau pirate pour l'instant, les amis. Donc, je vais vous montrer. En fait, il y a un mot du passe qui nous permettra d'entrer. Et on l'a pas. Donc, c'est très compliqué. Alors, rirait bien qu'il trouvera les. Et on l'a pas, évidemment, le mot de passe. Donc. On n'entre pas, c'est le mot de passe d'avant-hier en plus. Ah bon, d'accord, super. Bah du coup on va remonter hein. On ne peut pas rentrer pour l'instant, c'est impossible. C'est la joie. Alors j'ai tombé. Donc en fait pour rentrer c'est simple. On va aller tout là-bas, là-bas c'est la maison des bombes. En gros c'est un magasin de bombes. Et dans ce magasin de bombes. Alors attendez, d'abord il y a le facteur qui bouge. On va y aller après, je vous explique un moteur pour qu'on ait le magasin de bombes. Good evening. Vous avez du courrier One. One, ça fait toujours plaisir d'avoir du courrier. Two. Si tu veux améliorer ta maîtrise de l'épée, trouve tes blasons d'épéiste. Reviens vite. Orc. C'est un peu l'équivalent du vieux PP vraiment dans. Dans le jeu, ou dans Zelda. Il y a aussi le grand papy Siwan dans The Legend of Zelda Phantomhourglass que je vous ferai un play. De toute façon, c'est la suite spirituelle de The Legend of Zelda. Bah oui, mais tiens, je vous ferai. Donc en gros, on va monter par là. En fait, les pirates veulent récupérer des bombes. Alors, hop, ce paquet. Veulent récupérer des bombes pour péter la stèle qui bloque le chemin entre Jabu Jabu dans mon île. Et bah mon île, tout simplement. une grosse stèle qui bloque l'accès. Et ils veulent récupérer des bombes pour tout faire péter. Mais nous, on va les en empêcher. Parce que nous, on est un agent secret. On est Link, le héros. Enfin, le héros. Je sais pas si on est un héros. Non. On est surtout un être qui veut récupérer sa sœur. Allez, c'est reparti. On s'accroupit. On l'a. Le but étant de récupérer le mot de passe, évidemment. Pour rentrer dans le bateau des pirates. Ah. Instant dialogue. Désolé, mais nous avons besoin de bombes. Si nous voulons trouver des trésors, je sais que c'est un drôle de commerce, mais tu auras quelque chose en échange. Tu as du tout toi aussi de demander un prix pareil à des pirates, tu ne trouves pas? Tu as vu un beau comme. T'as vu un peu comme j'ai réussi à soutirer ces informations au facteur. J'ai vu ça, oui. Moi, depuis que nous avons rencontré ce garçon, Link, je me suis toujours dit qu'il y avait quelque chose à voir sur l'île de l'Aurore. C'est pour ça que j'ai pris cet air inquiet quand nous avons rencontré le facteur et le tour était joué. J'arrive pas à parler, les amis, c'est chiant. Ça, on peut dire que dans ce moment-là, tu es les meilleurs, hein. Quand il s'agit d'avoir des mauvaises idées. Si toi, le Gonzo aux mauvaises idées et Tetra, la maline à vie des enfants, il ferait de sacrés pirates, crois-moi. Pfff, idiot, tu dis n'importe quoi, vraiment. Hein, Tetra, il dit n'importe quoi, pas vrai? C'était une blague, Gonzo, juste une blague. Bon, au lieu de dire des âneries, vous feriez mieux d'apporter toutes ces bombes au navire. Une fois qu'elles seront embarquées, nous pourrons partir pour l'île de l'Aurore. Quoi? Mais c'est impossible! Ça fait si longtemps que nous n'avions pas passé une soirée à terre. Faisons un bon dîner ce soir, et nous lèverons l'ancre demain matin. Enfin, faites-moi, moi ça m'est égal, on fait comme tu veux. Mais bon, toute l'équipe se réjouissait d'avance en profiter un peu de la soirée. Ce serait dommage de les décevoir. Allez, et si nous partions seulement demain matin? Les trésors ne vont pas s'enfuir de toute façon. Hein? Vous autres, vous êtes d'accord? Ah, je reviens. Oui, attendez, hop là. Petite pause. Ouais. Je reviens les amis, je mets juste l'émulateur en pause, je reviens. Voilà, excusez-moi, franchement, je maîtrise pas encore l'émulateur. C'est très compliqué, on vient de m'appeler. Je maîtrise pas du tout encore la chose. Je fais au mieux, mais c'est très compliqué pour moi encore. Bon. Vous êtes vraiment bêtes, tous. En tout cas, dépêchez-vous, avant que l'île de l'Aurore ne devienne aussi sinistre que celle-ci. Hein? À t'entendre, on dirait que le destin de cette île ne t'inquiète plus que son trésor. Qu'est-ce que tu racontes? Ce qui m'intéresse. Hein? Oh non, elle nous a vus. Ah bah, en fait, c'est bien. C'est bien qu'elle nous a vus alors. Bon, très bien, c'est d'accord. Nous lèverons donc l'ancre demain. Mais demain matin, pas question de faire la grasse matinée, c'est compris? Oui!
Ouais. Au fait, Gonzo, c'est quoi le mot de passe aujourd'hui? Tu l'as oublié, tu ne fais vraiment attention à rien. Aujourd'hui, le mot de passe, c'est dernier. Non, c'est denier, c'est pas dernier, c'est denier. Voilà. Tu as intérêt à le dire correctement ou Nico te laissera pas entrer. Nico est tellement pointilleux avec ces choses-là. Je vous le répète une dernière fois. Ah, il a dit je vous. Le mot de passe d'aujourd'hui est denier. Ah, yes. Denier. D'accord. The Legend of Zelda. Bon, tu me donnes des bombes, non? Bon, on peut pas en récupérer les bombes. Non, vous inquiétez pas, en fait, les bombes, on va les récupérer dans le bateau des pirates. Du coup, c'est parti. Ah, la souris. Voilà, faut faire attention avec ça. Parce que franchement, j'ai du mal avec l'émulateur, mais il faut que je maîtrise. Enfin, j'apprends à maîtriser, c'est comme ça. Bon. Du coup, on remonte. Le but étant de. Avec le bateau pirate, on connaît le mot de passe, c'est denier. Le mot de passe est différent à chaque fois qu'on fait, donc c'est pas la peine de copier mon mot de passe. Vous ne ça marchera pas. Riradien qui trouvera les deniers. C'est bon, entrez. Ah, on peut enfin accéder par ici, c'est génial ça. Oh, excuse-moi. Donc, la Triforce sur la carte marine, j'ai l'impression. Plein d'objets bizarres et inutiles. Il y a le héros du temps, là sur le tableau. Donc, qui est notre ancêtre, si vous avez compris. Et là, bah là, je sais pas, on dirait une princesse, mais je sais pas trop exactement. Bref, on va aller voir Nico, puisque je pense que vous l'avez vu, mais Nico est là. Tiens, Link, c'est toi, Link. Alors, tu es en vie? Gonzo et les autres m'avaient dit que le gros oiseau de la forteresse maudite avait eu ta peau. Mais tu es bien vivant. Tu t'ennuyais de moi? Tu voulais revenir sous mes ordres, vraiment? Depuis que tu es parti, je suis redevenu le moins gradé. C'est pour ça que je fais le tonton ici, pendant que les autres se tapent la cloche. Mais ça me fait vraiment plaisir de te savoir que je t'ai remarqué, je t'ai manqué. Ah, cette fois-ci encore, je vais te faire passer un petit test. Il est plus compliqué que la dernière fois, alors accroche-toi, effectivement. Comme tu peux le constater, il y a comme la dernière fois des lampes qui pendent au plafond. Mais la dernière fois, il y avait aussi des plateformes activées par un bouton poussoir pour sauter jusque là-bas. Cette fois-ci, il n'y en a pas. Il va donc falloir que tu sautes de corde en corde. Et puis, à l'arrivée, il y a une grille. Cette grille s'ouvre en appuyant sur l'interrupteur, mais elle se referme au bout d'un certain temps. Si tu grilles, si la grille s'est refermée, oh, il faut recommencer au début. Oh non! Alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi comme coffre après? Pour ouvrir la grille, tu dois sauter sur l'interrupteur comme la dernière fois. Si tu réussis le test dans le temps imparti, je t'offrirai des bombes que nous avons volées en ville. C'est à toi! Je le sens mal, les amis, je le sens vraiment mal. Bon, bah écoutez, y a pas le choix. Non, alors par contre, je veux bien faire ton épreuve, mais je veux que ça marche. Donc, si tu veux, tu vises bien, Link. D'accord. J'ai envie de me rater parce que tu vises mal. Comme là, par exemple. Non, ça commence. Oh putain. Alors par contre, ça s'appelle avoir de la chance. Mais ah vache. Bref, on a raté. On recommence. C'est une épreuve assez compliquée, donc j'essaie deux trois fois. Si j'arrive pas, je ferai une petite vidéo, les amis, parce que sinon ça va vite vous saouler. Mais ça, je suis sûr et certain. C'est une épreuve assez pénible, très 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 pénible. Pour l'avoir déjà fait plein de fois. Et encore, c'est quand même plus facile sur GameCube. Le joystick est moins sensible en fait sur GameCube. C'est pour ça que j'ai dit que c'est plus facile sur GameCube. Alors par contre, moi je veux bien aller directement sur le truc là-bas, mais je dois d'abord faire ceci. Nickel. Hop, on redescend.
J'espère que je vais y réussir. Je vous avoue que c'est vraiment compliqué par contre de réussir ça. Yes. Vite. C'est le plus dur effet les gars, hein, franchement. Non, par contre tu fais pas n'importe quoi, Link. Allez. Là, on a le temps. Oui. On l'a géré vraiment. Là, on l'a vraiment géré, les amis. Hein? Mais comment peux-tu arriver à faire ça aussi facilement? Tu n'es pas incroyable. Mince alors. Moi, j'ai jamais réussi. Et lui, il fait ça comme ça, comme si de rien n'était. Mais si je lui donne les bombes, je vais encore me faire attraper. Allez, je te donne les bombes. Prends-les. Mais surtout, ne le dis à personne aux autres. Ne le dis pas aux autres, hein. Surtout pas. C'est entre nous. D'accord. Ah, tu montes la garde pendant que moi je récupère les bonbons. Hop. Oulouloulou. Pardon, j'ai tapé mon coup. Je crois. Vous obtenez les bombes. Vous pouvez transporter jusqu'à 30 bombes. Lancez les bombes en appuyant sur A et posez-les avec R. Elles s'éclatent avec fracas. C'est un bonheur. Mais les bombes se transforment en canon. Allez à l'écran d'inventaire et assignez les signes avec Y, Z ou X. Soit tout même du toupé de venir piller les pirates. Ah, ça c'est titre à ça. Mais je suis vraiment contente de savoir que tu te portes bien. C'est bien après avoir été soufflé hors de cette tour. Et pourquoi fais-tu cette tête là? Ah, ta petite sœur est toujours prisonnière. Heureusement que c'était mon tour de garde. En plus, les autres t'auraient jamais laissé entrer. Mais au fait, que comptes-tu faire de ces bombes? Serais-tu toi aussi à la recherche du joyau de Jabu? Le vénérable Jabu se cache actuellement dans une caverne derrière ton île. Mais l'entrée de cette caverne est bouchée par une grosse stèle de pierre. Il te faudra briser cette stèle si tu veux entrer dans la caverne. Ce soir, nous devons rester sur l'île et dîner tranquille en ville. C'est demain matin très tôt que nous devons lever l'ancre pour l'île de l'Aurore. Si tu pars ce soir, je me débrouillerai pour que tu arrives avant nous. J'arriverai bien à ralentir le mouvement. Mais ne traîne pas. Incroyable, cette pierre que tu as là, c'est la même que celle de Tetra, non? Comment ça elle s'utilise? Tu peux parler avec Tetra grâce à elle? C'est super. Ouais. On va remonter en haut, les gars, et on va s'arrêter pour ce premier épisode. Non, ce 14e épisode, les amis, pour être plus précis, de Legend of Zelda de Wind Waker. Avec ma nouvelle config, c'est assez compliqué de rec, mais enfin, surtout d'utiliser l'émulateur parce que j'ai trop de mal à l'utiliser. J'ai la version originale du jeu. Je peux pas vous le faire, mais ça me saoule. Du coup, je suis obligé de passer par PC, sinon je peux pas vous tourner la vidéo. Normalement, à partir du moment où t'as le jeu original et la console originale aussi, tu peux tourner. Bah, t'as le droit, je crois. Sinon, bah, t'as pas. Eh ben, écoutez, les gars, on va juste rejoindre la ligne rouge. Et en rouge, je vais pas par là, je vais être au début de l'île. On va rejoindre la ligne rouge et on va s'arrêter là. Il est là. Oh, il est rouge, je suis là. Tonton Zoria est là. Ah, non, je vais pas. Eh bien, je crois que nous sommes prêts. Si cette jeune fille dit vrai, les pirates ne devraient pas bouger d'ici avant demain matin. Tu dois en profiter pour aller trouver Jabu et lui demander de te remettre la perle. Allons-y, Link, en route. Eh bien, pas tout de suite, les amis, car on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, mais un petit like si cette vidéo vous a plu. C'était Zoria Gamers, allez sur les amis. Portez-vous bien. C'était Zoria sur les amis. Bye bye, tout le monde.